où se trouve le mémorial de Marie-Patrice Lumumba. Plusieurs éléments militent en faveur d'une vénération de ces lieux par la personnalité de Marie-Patrice Lumumba lui-même. C'est ce drapeau qui nous indique que dans ce véhicule doit être le président Denis Sassou Nguesso, parce que le drapelé indique que c'est le drapeau de la République sœur du Congo. Au Brazzaville, et le président de la République, c'est justement le président de la République sœur du Congo d'en face, et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est son homologue, le voisin le plus proche, Denis Sassou Nguesso, qui vient donc de faire leur entrée en ce lieu du mémorial de Marie-Patrice Lumumba, échangeur des limités. Ils vont donc faire cette marche jusqu'à la tribune érigée ici pour cette circonstance heureuse en même temps, mais aussi lugubre, parce que c'est un deuil qui est en train d'être levé, pourquoi pas, mais c'est un 30 juin, le jour de l'accession de la République démocratique de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est donc tout ça un sentiment mêlé de joie mais aussi de tristesse qui caractérise cette journée. Mathieu Moudibangou, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, vient donc de faire son entrée ici. La cérémonie va commencer officiellement dans quelques minutes. Précédemment, c'était le corps de Marie-Patrice Lumumba qui était déjà arrivé et sur place. Vous n'avez pas raté un seul détail. Les caméras de la télévision nationale ont été partout pour vous permettre de suivre comme si vous y étiez cette cérémonie d'hommage à Marie-Patrice Lumumba. Yasolo Edi Tchala, to l'indivision son abilili, Nanzela Caméra Radio Télévision Soi Congolaise, Tata Mukonze Kolo, Félix Antoine Tseke Chilombo, à Sil Koukoume Labiso Katino Sika, Kasia Zalie Mokote, na Muninga Waye, Denis Sassou Nguesso, Mukambi Kolo Congo, Brazzaville, Ponatina Mouloulou Monene, Moye, Momoko Mwalelo, Batata Bakonzi Bango Babale, Bango Bana, Pona Kotali Sete, Yasolo. Patrice Emery Lumumba, le lingue nazaï Kolobalobi, qu'on a parlé de la nation, Azala Kika Kapona RDCT, Akoma Kipona Mokili Afrika, Pepona Molongo Mobimba, Patrice Emery Lumumba, Makansi Mazaki Okatiae, Matali Botombami, Bozé Bongo, Kino Lelo, Kokitana, Nabakambi Baike. Kasimwa, l'issue le moke na koyo baki serabino, pona koyeba. Balanga nzembo wabiso ba bale ba nene ba ebale kaka kati nekona biso Congo démocratique en kolon zambe abenga bango ndakisa Abeti Masikini papa waye na kombo ya Fina ya Zaki Mokambi ya Lingomba ya politique MNC eye ya parti se Emery Lumumba kasine tuka ya Oriental le ko Zaki Lisanga etando enene ya Oriental yende Azaki kokamba Lisanga lina papa alanga nzembo Abeti Masikini na kombo ya Fina kasi soda ona chaka maboko na Patrice Emery Lumumba pona kokangaye kombo ya Zaki Bongo Gilbert Pongo. Gilbert Pongo yesi kazalaki tata ya langa nzembo Pongolov talaka li situale ndenge nini salemaka li situale liango balanga nzembo babiso bana bato banene penza okati ya ekolo kasi nazana liloba Patrice Emery Lumumba azalaki kolobata ngonyoso kozanga bomoto ezana bosomite kozanga bosembo ezali na bomotote pe kozanga lipandasi ezali na bosomite esengeli sika moto kozala na bosomi onzela lipandasi maloba matina maye Patrice Emery Lumumba azalaki koloba yango mpona kotalisa boni boni ekolo biso Congo démocratique sima mibutu kumwambe ya bokambemi epai na banoko esengelaki sika bosomi bwa ekolo bosalema ba tata bakonzi bango babale bazali bakambi baike mbele mingi penza mululu monene moye mozo kozwa lolenge yango na tango etosi kokoma tobite lelo lolenge na baki ne bandeza mokomwasuka kasi maso mabandaki lobuleki na palais de la nation et pa wapi mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ona zali grand chancelier ya ekolo ya Congo démocratique ayaba ekotombola na pete ya lokumu bilombe babale eye Polo Maurice et Joseph Okito, Bango Babale, a tombola ki bango na molongo,
moi bilombe Kabila Lumumba kasi bango sika balati bongo peta lokumu ya ba grand officier bango babale masumana maze kotalisa mosala monene pe mosala mokasi mo bango basala ki wana to komona mabongi ma maso masenge po ete sanduku iye zali na bitin bien zoto bia ministre mokonjwa yambo akala Patrice Emery Lumumba bia biko maishika iye e bongisa mipona tina na yango tembete zali mokolo moye toko kotalisa ete maso mazali kotambola enge bene linaka libongisa maki na sima ya komona ete sanduku iye euti kuna na primature et pas wapi ba ministre ba konzi bakala lobby batano to zalaki na bango pona kotalisa pe bango bat ba yingisaki sanduku wana esika longo banaki pona komema yango okati ya bango tozalaki na Mabi Mulumba yazaki bongo ministre mokonzi kala tozalaki na Sami Badibanga Tinta tozalaki na papa Leon Kengo wa Dondo tozalaki na Bruno Tshibalanzenze bango banso bakambe makisika na mwana mboka Samalukonde Kenge ministre mokonzi ona ko kambasika mbula matere kwa Congo démocratique pona ko tali sete ya solo ba ministre bakonzi bakala bango banso selikani shilioko okati ya bango pona ko tali sa bomoko boye bozai okati ya mbula matari yoko la biso Congo démocratique maso mazali lokumu maso mazali penza sengo kati na bikolo bie bibale na yoko ba RDCP Congo Brazzaville na komunite patata ba konzi bango ba bale bazomi awa okati ya etando to pe lo bala ya échanger pona mululu monene moza ko sala ma moko mwalelo Patrice Emery Lumumba héros national ya République démocratique du Congo azalaki moto monene okati ya geza na mokili mwa Afrika azwaka esika okati ya likitali nene lelisalemaka kuna na Ghana likitali ye libimisaka mpenza makanisi pe mabongisi maike epai na Patrice Emery Lumumba mpona koyebete ya solo mpona nini te ekolo ya biso Congo démocratique ekoki pe kozwa lipandasi yango pe na kati ya bato babacaka maboko na kati ya mokanda kuna na engumba Bruxelles mpona ntina ya maematali bongo bosomi bwa démocratie du Congo Patrice Emery Lumumba azalaki bongo sima yango mokolo roi bodwa kosakola disukule ya ye osima ye kasavubu pe Lumumba zwaki maloba pona kotalisa maloba matina maina oti koyebisa bino oezaki kotombola mabanzo moto azali na kati ya mabanzo maye soko mabanzo ma moto matombwami maso baza kokende oboso esengelaki mibu tuku motoba na mibale mikokisama lelo po ete Patrice Emery Lumumba akundama na lukumu na limemia nyonso okati ya mabele maye République démocratique du Congo epapi tozwami biso banso mpona kotalisa ete ezali mpenza molulu monene bakambi babiyamba bakambi bandenge na ndenge tokomona bilenge baike osuki ya ya moto azwa bongo mpenza ezali lolenge ezalaki epai na Patrice Emery Lumumba mpona koloba ete ye azali mpenza mabanzo azali makanisi mematikali okati ya mito ya bandeko Congo démocratique mematikali okati ya mito ya boko okati ya mokili mwa Afrika pe mematikali okati ya molongo mobimba ezali mokolo monene moye tosangani banso kati na oesika Charlotte Kabanga nayebi ete bandeko baza na etando enene ya Kasai balingi koyoka de la matière mu dibango mbaba ula matcha to akula ha bwa kutereje boni chichita kana mabe unchingani bateleji ba RNC batangiji ba binji jimbi ndibamo na bempo mu dibanto bako kila mabe mbombu ni mbombu wa mushindo wa kujika mufo wetu Patrice Emery Lumumba uvo mufo kukala mu chimuchachi nonga mushita mangu ya sambombo ni chimwa lelo andai ya munga fomo kujina mbilia mu chipolo cha kumpala bwani mubiji wenda ni jimo cha kubiji mbabia mubiji wenda bavu pika ya bati fila ku seka lwa Belgique mchimenga cha Bruxelles mvwa muja matuma kumia bija ngondwe mu tangano vishika bati bwani bafu chivuchenda miyabe mishile shilangana benda ba muto makumbu Patrice Emery Lumumba kachino jimo wakumanya nchangani Patrice Emery Lumumba kimu lwa mvite inka inda na shaba vwa ilwa ni Maurice Mpolo ni Joseph Okito Maurice Mpolo ni Joseph Okito fumo wajitunga Felix Antoine Seresilombo moto chale pa mukanda wakuba lubula ba grand officier mon ordre wa ba héros nationaux bajitunga tu da kongwa kumunga la takabila Lumumba bubumba peta pa bulumu bajitufinga na mwabutu je
programme de Jean-Michel Samalukonde, Patrice Emery Lumumba Mutanda wende ututubikile bwa semozole mwabo ikale buni bwa kumushika ki mwabo tulibikile to akwilewo mbono kwamba sebana bamwino kongo mbavulukani jamatu ku 13 angundu mwisambombu chili mchachi chinenu kamashitema ngi mchitema 13 kulu kuvana mu jukulelewo kakuvomunya kakuvomashika vivana mushindo tujilelewo mbono kwamba ne chinchi 19 ne chichileshi kibubwa ni lelu wa jamatu ku 13 angundu mwisambombu Chirimuchabini mbibijini makumia bini chibiji, utu tushika Patrice Merili Mumba, kulu mkwenza ni mshindu mwe, ni mvoku, mchirimuchachini nunga mchitemi na wakumia sambombu, mwene kwa mbani bankambo bajitu nga jakongwa munga la tambima inakulu, na shahidi chaleke ni mwakube nkuchambatu, chindi ngambechi nchilele la bankambo betu mbima inakulu, wakwa kijile Patrice Merili Mumba, mukala kakombe. Kaji ndonga mu wa malwonso mwabe uneze kapikala bani na bajitu ngamfu mwajitu ngani munenda Denisa Sunga sone bwa kufika bantu bavula badibikala batutangila batule batulonda mu bulobo bushima chileje luncha apa badibikala basanga ni bwa ku luseka lwanganda nshika baju batutangila batulonda kunganda nshika kuji masere chika Alfonsine ni bene jenda basomba balongi shibonso ba muite munganda nshika ni yeye mwine prefe baju batutangila mbwino kwamba se nuji babuni bakutangila tunufurije ni chikondo Chifo Patrice Emery Lumumba mumana kumona bwani bene bene shibakaji nenda jajaja basoba kumukwata wambi bwani mpingana na shiku kisangani mwabo mfo mwensele cha nchijiji njibu wa kuye kikishilo koku nkala ngenzila kwa nyimalu kajikutu mwabu basalai bwani basalai ba mulonda ba mukwata kubasalai ba mukwata ufumu mwele chanza mubilamba Vomkalenga Gilbert Mpongo, tatuenda wa Pongolov, tangila ifu mwajitunga Felix Antoine Seke Chilombo, ni mwinenda Denis Asungesu, mbobo wabu bakaji babuela, mwono mkatanda mwabu tulibika la tuwa kuile unungu, mwali wachubilu bilu, chishi tuwalija mpunga mkese u, mwajitunga Felix Antoine Seke Chilombo, mwleja kachia kutuwa jila milibianda ya kwa kijila mbiju wa Patrice Emery Lumumba mujibu inkani mwenda monsu toni kukasuki wase binto bibi anzeka mujibu kala piki ngaji buwa nganyu dika yungu mtu chila chika shimpinje wale simjimu inekani jiji ngaji enda yani mujibu amba mwakulu wa franse buwa ni volonte politiki kiudi mwenze buwa ni maru mwansu watotumone lilo wa mwana mwako anzeka ajibu enda babanda mwana ujibu mwana ba mani mutumba mwane no mutumba su mwane no mbulele la denisa asunge su waleji ni yeye ki mutumba wa yeye ababwele bila shaka wani wa babaki jila mpinje u fumoji tunga Felix Antoine sekesio mbuni Denis Asunga su bajibo buwela mbimu eneka se longa muwa mujimu onsu ujincha bakuta wiza mpinje u chibiribili chonsu chifetu adija lelu wanda ye ukuji beneji tunga dakunga mwata bongo ya ngu kumajilu Patrice Emery mwomba pekala ini wakubwela unani nye ya Felix Antoine sekesio mbu chepela pela nye ya ubwela ni Denis Asunga su Mkwantombolo umubwela, bwalu bwa ujini jisanka mpinje u, nijitonga da kongo mungu hata jimana kwenza majulu wa Patrice Emery Lumumba mpinje tulimu wakukisha, kutangile kumarama kwa batu ni mwakwenza, wakumuna amu wako. Tanchi ditonga da kongo mungu hata bilondo shilamu vu Patrice Emery Lumumba, mwika la mwishinga se buji kajiji bwa bia mwishi mwabuloba, ni buji kajiji bwa malu wa nsubikali mbianza bia mwena kongo wa mungu hata ilichala, njinga nishiko kukwisho utako mwema kula fachaka fachaka. Merci Charlotte Kabanga pour ces informations. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son homologue du Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, sont donc arrivés sur ces lieux. Le corps va avancer petit à petit et le président de la République va prononcer cette oraison funèbre. Ce sera pour la dernière fois avant que le corps de Naïf Patrice Lumumba mais soit remise en terre. Nous vous avons dit qu'on nous suivait de partout à travers le monde, à Ngandajika, Charlotte vous l'a dit. On nous suit à Goma, on nous suit aussi à Lubumbashi, et honorable Aziza Mounana est donc bien entourée avec ses veuves qu'elle entretient depuis pour que toutes suivent
attentivement cette importante cérémonie d'hommage à la République, j'allais dire, à Emery Patrice Lumumba. Dans l'entretemps, le corps est en train d'avancer vers la chapelle ardente dressée et pour la circonstance, Giscard Koussema, le président de la République, là et son homologue sont en train d'échanger avec le fils Lumumba, certainement sur quelques informations relatives à l'organisation de ses funérailles. Oui, on a souvent dit, cher Edith Chala, que les deux Congos sont liés aussi bien par l'histoire, la culture, la géographie, et on peut même ajouter l'eau, le fleuve Congo, la seule frontière entre les deux États. Et quand ça touche à Kinshasa, Brazzaville en récent, les répercussions, voilà pourquoi le président Denis Sassou Nguesso est arrivé par hélicoptère ce matin. Il a atterri dans les jardins de la présidence de la République et les deux chefs d'État, dans un même véhicule, sont arrivés ici. Une arrivée synchronisée avec celle de la République Lérique, escortée ici par une aide d'honneur formée par deux officiers de forces armées de la République démocratique du Congo, tous en tenue d'apparat. Et regardez bien sur ces images, on aperçoit les anciens premiers ministres et l'actuel en tête, Samalou Kondé Kingé, qui est là, entouré de ses prédécesseurs. On a aperçu ici tout à l'heure Bruno Tshibala, Sami Badibanga et d'autres également qui sont en train d'arriver à cet endroit. Alors, pour ceux qui connaissent bien ces monuments, Lumumba, débaptisé désormais Mémorial Patrice Emery Lumumba, on est au-dessus du viaduc. C'est prolongement de cette tour de 200 mètres qui a été aménagée pour recevoir ces hommages publics. Et c'est ici qu'également que le caveau a été aménagé par la volonté du président de la République et de la famille pour l'inhumation de ces héros nationaux. Voilà, ça c'est l'équipe de la chancellerie nationale, des officiers supérieurs de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Les deux États ont eu l'indépendance en l'espace de quelques jours seulement. Les deux pays ont été indépendants en l'espace de quelques jours seulement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso est venu ici pour cette célébration quelque peu particulière de l'indépendance. En temps ordinaire, Edith Chala, c'est un défilé militaire, mais pour une fois, c'est arrivé avec cette cérémonie très historique qui complète l'histoire du héros national Patrice Emery Lumumba. Et donc cette façon, une histoire est désormais complète. Lorsqu'on parlera de lui, on connaît désormais son lieu de naissance, son lieu de décès, les lieux de l'inhumation et tout le lieu historique, à commencer par Onalua, Kisangani, Shilatembo, Kinshasa. Mais tout à l'heure, Edith Chala, devant votre micro, le professeur a dit qu'il y a d'autres lieux aussi historiques comme Mangaï, ça c'est dans les Kwilu à Idiofa, où Patrice Emery Lumumba a tenu son tout dernier discours. Je crois que la fondation qui porte son nom pourra répertorier tous ces lieux-là et faire également. Voilà. Voilà donc Edith Chala, les deux chefs d'État sont debout pour accueillir le héros national Patrice Emery Lumumba qui va désormais reposer ici pour l'éternité. Merci Giscard Koussema. Le moment est solennel, mais aussi, comme je vous ai dit tantôt, il est difficile à décrire parce que il y a une cérémonie de tristesse mêlée à cette joie d'avoir acquis l'indépendance ce 30 juin. C'est un moment particulier. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son homologue Denis Sassou Nguesso, attendent debout dans la sérénité, mais surtout, certainement avec une pensée pieuse, l'arrivée de cette dépouille relique d'Emery Patrice Lumumba, avec cette garde d'honneur qui s'avance sous le rythme de la fanfare pour accompagner cette dépouille relique jusqu'à son lieu d'exposition ici, sur les viaducs
duc, bien entendu, de l'échangeur de l'IMET, lieu qui a été choisi où tout se prédispose pour accueillir cette dépouille relique d'Emery Patrice Lumumba. Vous n'imaginez pas, amis téléspectateurs, l'atmosphère qu'il y a ici. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de froid. C'est exactement comme ceci que l'atmosphère se décrivait le jour de l'indépendance, le 30 juin 1960. C'était curieusement un jeudi. Aujourd'hui, c'est également un jeudi, un concours heureux de calendrier, on ne sait pas. Ce sont les astres qui se sont alignés, on ne sait pas le dire non plus. Sinon, nous voyons qu'aujourd'hui, 30 juin 2022, 61 ans après, Emery Patrice Lumumba va être mis en terre. Ce sera dans l'intimité familiale, mais en tout cas, la République retiendra que ce jour, ce sera la fin des obsèques organisées en hommage à Emery Patrice Lumumba. Il n'avait pas connu ça depuis sa disparition le 17 janvier 1961. Mais derrière ce corps, il y a tous les anciens premiers ministres qui se sont rendus disponibles. Hein. Le premier ministre actuel, Samalou Kondé, en tête avec Sami Badibanga à ses côtés, Bruno Tshibala, c'est ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Et puis il y a Juliana Lumumba avec eux. Mais hier, il y a eu d'autres premiers ministres, notamment Léon Kengo Wadondo, mais aussi Mabi Mulumba, Evariste. Donc, eux, ils ont fait le choix de venir honorer la mémoire d'Emery Patrice Lumumba. On pense que les autres se sont rendus indisponibles ou ne sont pas en mesure d'arriver en ce lieu. Mais sinon, tous gardent la pensée, tous ont en mémoire ce respect qui est dû à Emery Patrice Lumumba et le devoir de venir s'incliner devant sa mémoire. Vous avez là Christophe Muzungu qui est notre ambassadeur en République du Congo, mais dont le père a été victime lui aussi de son lumumbisme dans les années 60. Mouivin Diata. Ma tundu mingi editala betukelikaka awa na kulandana nkinzi ya inabeke mwana mosi ya mekusa munusa luse ya kimvuka ya bantu ya insi ya Belgique kusaka penza na kukabula na beto mafwa ya kusasalama awa na insi na beto ya uinaba kusanata penza ndamu ya nzutu ya Emery Patrice Lumumba kinzi ya ngomi kusa banda penza na kumunusa na beno nyoso. Bapisika nyo suwa beme bakama bana insi, Yovanda na Bizunga, na Congo Central, Grand Bandundu, Kasai nyo suwa la Touba, Grand Kasai, Samunayi kive na Bituri, Bagoma, Babola nyo suwa beme bakama, Okatanga, Sokutemisano kive, Lualaba, Betke Zodi Labeno, Kulanda, Yambote, Mpamba 20, 15 ya lumba wabubu yake na kata kuyindula penza mosi ya mwana ya insi ya kudipesaka kama na kunuani na kimpwanza ya bana insi. Ya memu na monisa kaka insi ya mpamba 20 na ikive Afrika ya mvimba na kuisa monisa penza kusoba luse ya Afrika. Mpamba 20, ndongisila ya Patrice Emery Lumumba mekusa monisa penza na insi na beto. Mais mon histoire, na ba insi ankaka mepe s'appelle Kumu na kati ba insi Afrika na kumona na ngolo ya mikusa nwani na kupesa pe kimpwanza na bana ya Afrika bampange lusulu nkinzi ya bubu ya ikele kese mingi be na kukabula mpe na ndambu wa mama wa mpamba ve yovanda kukupesa betu mwampasi na kuwa yanzi na kuzinga ndambu ya nzutu na visika ya ankaka mpe bana kalasi wana zizabati ntangu ya betu vandaka kulonguka betu tangaka pe lisi tuale na yandi betu tangaka lisi tuale ya mfuma luyalu ya ntama tala betu mekumataba mbutako tibubu ya yoye nakata kulandaka na kaka yani nuwanaka na kinzi ya mazono betu azabisa na beno tibubu ya kekboso kilumbu ya nsuka kasi mazono baku saa kumonisa ba mfuma luyalu ya ntama bayayi vandaka kusala bisalu mpe na kati na bao ba mwanaka ndia Mabi Mulumbani Leon Kingu wa Dondon Sami Badibanga, Bruno Tshibala Nzenze,
Et Jean-Michel Samal Kondé, qui est un peu de temps, Awa, me commanda, Mugina Kimfuka, et Bambuta Luyal, ya Luyalu ya Jean-Michel Sama Lokonde Kenge, na Luyalu Nayandi, Bawina Bao Nyonso, Bambuta Luyalu, pe Kikusa Monisa Penza, Kinzi Alumba Bouyana, Kusa Kabula, le Kutombola Mosi, ya Mwana Yinsi, ya Kusaka Penza, Kunwanina Kimpwanza, ya Yinsi na Beto, Beta Zibuli na Benoti, Kinzi Yango, me Kusa Monisa, Mfumu ya Yinsi ya Nkaka, me Kusa Monisa na Beto Awa, Mfumu ya Yinsi ya Congo Braza, Denis Sassou Nguesso, mais que ça pe awa na kokabula na beto na 15 alumba bubu yae, yoso na tuba beto na bau beto kele bonso inwa na mbombo hein, muzola tuba kimake kabula beto ke kanzili ya maza to penza ya Congo ntangu yae 15 me kusabanda penza na kumunisa penza kupesa lukumu na Emery Patrice Lumumba fumu yae si kutabaka mapana kintoa difference to sketch lumbo na yani mosi Denis Sassou Nguesso lukumu mekusa pesa mana basolda na nima kukitisa nzutu ya Emery Patrice Lumumba ba mekusa kitisa penza nzutu na yandi tangu melunga na kupesa yandi lukumu na baina ba kufua kabau na yandi ba bimisa kabau Euro Nationaux Kabila Lumumba ba kele Joseph Okito Pepolo Maurice ba union son ba kwanda kapenza na kupesa ba lukumu kansi tambu nzutu na ba monana ka pe ba pesa kaka ba mpangi na ba ya tileka ba bimisa ka ba penza ba grand officier na kubisali ya mbote ba kusa ka sala kwanza pe ya nzutu na yandi ba mimbami makayau na ba insi ya banzinza ndamu ya nzutu au mikusa kutukila peza mtoto na yawo ya tileka nkizi mikusa banda mkwana kutula ndinga na ba mpangi ya nkaka na kutendujila betu penza nkizi ya lumbo bubu ya mpamba ve disika nyoso bana ya insi mikusa bakama kansi na kutendula ntite mbote mbote benta kusa mwona penza muni maya ba mikusa tunga awa excellence. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellences, Monsieur le Président de la République du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellences, Messieurs les représentants du Président de la République de la Guinée équatoriale. Excellences, Monsieur le Ministre d'État, et ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République du Sénégal, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur le Chargé d'Affaires du Royaume de Belgique, Excellence, Monsieur le Chargé d'Affaires de la République d'Afrique du Sud, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, aujourd'hui, 30 juin 2020, la République démocratique du Congo totalise 62 ans d'indépendance, marquée par une circonstance particulière, celle du rapatriement et l'inhumation de la dépouille du premier ministre et ministre de la Défense, Patrice Emery Lumumba, héros national. Voici le programme. Tout à l'heure, il y aura une brève prière des chefs des confessions religieuses, suivie du témoignage d'un pionnier de l'indépendance, M. Bruno Bukassa,
suivi du mot de la famille Lumumba, le dépôt de jab de fleurs par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Enfin, le discours du président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. Et nous allons terminer par l'inhumation de la dépouille dans l'intimité familiale, assistée par les deux chefs d'État. Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous invitons les chefs de confession religieuse pour la prière. Voilà, c'est le culte écuménique qui va donc avoir lieu. Pour rendre culte à Dieu par des actions de grâce, maître des temps et des circonstances, qui donne la vie et la reprend, une fois que le but ayant justifié de l'existence de cette vie atteint dans la durée des temps et dans l'espace indiqué. Et c'est conformément à la Sainte Bible qui déclare en 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, qu'en toutes circonstances, rendez grâce. Telle est pour vous la volonté de Dieu manifestée en Christ Jésus. Ce sur quoi nous vous convions à un moment de culte écuménique organisé en cette dernière adresse physique de notre héros national qui vient enfin d'opérer son dernier déménagement ultime, 61 ans après sa mort tragique avec ses compagnons d'infortune. Ainsi, nous invitons les éminences, chefs des confessions religieuses, à venir à tour de rôle chacun pour une brève prière de tout au plus 2 minutes. Nous invitons pour ce Monseigneur Thiomo pour les comptes de la Cinco. Seigneur Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton fils et ton serviteur, Patrice Emery Lumumba. Tu lui as accordé ta grâce pour qu'il se dévoue généreusement au service de notre pays, du peuple congolais, avec un esprit d'amour et d'abnégation remarquable qui l'a conduit jusqu'au sacrifice suprême de sa vie. Marqué de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba est mort pour la défense de la dignité humaine de tes filles et fils de la RD Congo. Dieu éternel, toi qui as proclamé bienheureux les persécutés pour la justice, Matthieu 5, 10, accorde à ton serviteur le repos éternel et la couronne de gloire que tu as réservé à tous ceux qui luttent inlassablement pour la dignité de tes enfants et pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Dieu notre Père, regarde avec bonté les enfants, les petits-enfants et toute la famille biologique de Patrice Emery Lumumba. Console-les toi-même, Père, et bénis-les abondamment. Depuis la mort de Patrice Emery Lumumba, Seigneur notre Dieu, notre pays continue à connaître les douleurs de l'enfantement. Nous te supplions de fortifier le courage de tous ceux et toutes celles qui cultivent les vertus patriotiques de ton serviteur Lumumba et de raviver l'espérance de tous ceux qui attendent de sortir de la pauvreté. Regarde avec bonté le peuple pour qui Patrice Emery Lumumba, Maurice Polo, Joseph Okito, et bien d'autres personnes que tu connais ont souffert et sont morts. Renforce l'unité de notre pays et conduis ce pays à la prospérité, valeur auquel ils avaient ardemment aspiré. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et l'Esprit Saint,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Monseigneur Milenge le fera pour les comptes de l'Église du Christ du Congo. Nous prions. Nous te remercions, Seigneur, toi qui nous as fait arriver en cette date, mais aussi qui nous a permis de participer à cette cérémonie. Nous te prions pour la continuité de la pensée panafricaine de Lumumba et de sa vision de libération de la République démocratique du Congo. Laquelle vision et pensée contenue aujourd'hui dans l'agenda 2063. Nous te prions pour que, Seigneur, cette cérémonie suscite la solidarité aussi bien nationale qu'internationale pour la paix dans notre pays, mais aussi la solidarité en faveur des personnes déracinées, des victimes de l'esclavage moderne, des victimes de l'exploitation abusive des ressources naturelles, des victimes de la ségrégation et des victimes de toutes autres sortes d'atrocités. Nous te prions pour la famille, les familles Lumumba, Okito et Mpolo. Seigneur, que tu veilles et que tu les accompagnes dans toutes leurs vies. Nous te prions pour les autres pères de l'indépendance. Nous te prions pour les dirigeants de ces pays. Nous te prions, Seigneur, pour la libération réelle et totale de la République démocratique du Congo. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour le protocole d'État, les journalistes et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement. Ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Monseigneur Simon Zinga le fera pour les comptes des églises indépendantes de la République du Congo. Prions le Seigneur. Camarade Patrice Emery Lumumba, ta mort est injuste. Oh, c'est la mort injuste. A voulu faire rater ton pensée de libérer les Congolais de peur et la crainte. Heureusement, il ne pouvait pas arrêter ta pensée de libérer les Congolais de peur et la crainte. Heureusement, ils n'ont pas tué ton esprit. Ton esprit révolutionnaire, ton esprit qui est entré à tout Congolais, aujourd'hui et à jamais, cet esprit resterait dans la vie de tous les jeunes Congolais et de l'Afrique. On parlerait de toi, l'histoire est remarquée, l'histoire vivra, l'histoire continuera à vivre. Lumumba, comme soldat, Lumumba a sacrifié sa vie pour son peuple et l'Afrique. Nous sommes libres aujourd'hui, nous crions liberté, car tu as voulu cela. Ils ont forcé ta mort, mais tu vis au ciel. Tu étais esclave de celui qui t'a tué. Aujourd'hui, tu es libéré de ses mains et ton esprit vivra à jamais. Sois le bienvenu à la terre de tes ancêtres. Que la paix règne au Congo, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Le révérend Surbens Swalenge le fait pour les comptes de l'église kimbanguiste. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, nous voit s'incliner devant ta splendeur pour implorer ta grâce et ta miséricorde envers nous, peuple congolais. Nous te remercions, Seigneur, pour avoir rendu possible cet événement historique de ces jours. En effet, nous sommes rassemblés tous comme un seul homme pour célébrer ensemble des événements essentiels. Les
72e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le retour triomphant de la relique de ton serviteur et son inhumation. J'ai cité Patrice Emery Lumumba, un homme courageux, intelligent, plein d'initiative, défenseur des intérêts du Congo. À cause de sa passion pour le Congo, Lumumba a été assassiné. Il a subi une mort cruelle, tragédique, raison pour laquelle nous t'implorons, ô Dieu, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu du Congo, le Dieu qui a inspiré Lumumba, j'ai cité Papa Simon Kimbangu, de venir nous secourir, hâte-toi de nous délivrer, qu'il soit honté et confié. Ceux qui en veulent à la République démocratique du Congo, qu'il recule et rougisse, ceux qui désirent le chaos au Congo, nous te demandons à l'instant de bénir et de protéger la République démocratique du Congo, ses autorités, en commençant par le président de la République, le peuple congolais, nos forces armées, que tu leur donnes la sagesse, l'intelligence, la suprématie sur les ennemis et surtout la capacité de défendre le territoire national, son intégrité. Nous avons besoin de la paix. Maintenant, c'est le temps de l'émergence et de la renaissance de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de ta présence, que tu puisses nous accompagner dès maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cheikh Abdallah Fwamba Ali est invité pour les camps de la Comico. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ô Seigneur Allah Tu es certes le tout miséricordieux, le très miséricordieux À ce moment précis Nous avons besoin de ta miséricorde Nous te disons merci Pour cette cérémonie Nous te disons merci pour tout ce que Lumumba a fait dans ce pays. Nous te disons merci de nous accorder Lumumba, un fils de ce pays. Tu es certes le maître du jour de la rétribution. Nous croyons fermement que tu vas rétribuer Lumumba à sa juste valeur par rapport à tout ce qu'il a mené comme combat dans ce pays, par rapport à la liberté, par rapport à la souveraineté de notre pays et par rapport à la détermination et tout ce qu'il a légué comme idéaux. Valeur dans ce pays. Aujourd'hui, ô Seigneur Allah, nous te donnons Lumumba parce que c'est toi que tu nous as donné et c'est toi que tu l'as repris. Faites de sorte que la paix règne dans notre beau pays. Faites de sorte que l'unité prônée par Lumumba continue à jamais dans ce pays. Car tu as dit dans le Saint-Coran, chapitre 8, verset 46, soyez unis, évitez la division, car la division est l'œuvre du diable. Vous serez tous voués à l'échec et vous n'aurez plus la force. À ce moment, nous avons besoin de la force. Nous avons besoin de la grâce divine afin que nous protégeons notre pays de l'intégrité de notre pays.
au Seigneur Allah, bénis le chef de l'État, président de la République et son gouvernement. Bénis toutes les institutions de la République. Accorde-leur la sagesse et l'intelligence. Et bénis aussi la famille de Lumumba. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Ainsi, l'évêque général Dodo Issaël Kamba Baranganaï va prier pour les comptes de la plateforme de la confession religieuse et de l'Église du Réveil du Congo. Prions. Seigneur qui a cru à ce qui nous a été annoncé et dit ta parole, en ce jour nous pensons à ce qui s'est passé il y a plus de 5 décennies, disons 6 décennies. Ô Dieu, tu as permis à ce que nous puissions revivre cette émotion, ce moment émouvant. Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir accordé cette sagesse au président de la République. Ça a été une question de volonté. Ô Dieu, nous revivons ce moment. Nous te disons merci de nous avoir donné un homme qui a été un don pour notre pays, qui le reste jusqu'aujourd'hui. Nous pensons qu'il a travaillé jusqu'à sa mort pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt des autres, tout en oubliant sa famille, lui et ses compagnons autour de lui. Dieu Tout-Puissant, exauce notre prière. En ce jour, ô Dieu, nous parlons de la mort, car il est parti. Mais en réalité, il y a une vie après la mort. La parole de Dieu, la Bible nous parle de 3 degrés de mort d'après les livres des Hébreux. Oui, il y a, après la mort, le repos. Que tu lui accordes le repos. Le repos, en réalité, c'est sur ses œuvres. Il nous a enseigné à œuvrer pour l'avancement de sa nation. Puisse, ô Dieu, l'Esprit Saint, susciter cette bonne volonté, cette bonne disposition dans les cœurs de tous les politiciens de notre pays. Nous croyons que nous sommes ici en ces lieux, chantant, louant et glorifiant ton nom, car nous pensons au jour merveilleux, le 30 juin, parce que les hommes ont dû lutter, ont dû travailler. Cet endroit, nous l'appelons échangère. Nous disons au Dieu, laisse qu'en ce jour les choses changent, que nous puissions entrer dans une nouvelle ère, dans un temps nouveau où nous vivrons la restauration. Donne la force au gouvernement, donne la force à notre pays, donne la force aux militaires, donne la force à la police, donne la force à tous les peuples et donne la force aux institutions, en commençant par la première, l'institution président de la République et le reste des choses à faire dans notre pays. Nous croyons qu'en ce jour, nous verrons la lueur d'espoir, nous verrons les choses changer, transformer pour l'avantage de notre population, comme a tant voulu Patrice Emery Lumumba et les autres. Nous te rendons grâce, ô Dieu. Nous te rendons des actions de grâce avec ces familles qui sont restées en ce jour éprouvées avec beaucoup de tristesse. Nous chantons la joie car il y a eu des hommes qui ont donné des leurs en rançon pour que les autres soient sauvés. Ainsi, notre Dieu Tout-Puissant, je joins ma prière à celle qui a été faite en ces lieux. D'autres pouvaient le faire. Mais en ce temps, ô Dieu, que ma prière converge avec celle qui réside dans les cœurs de plusieurs, nous disons, règne dans notre pays, que le Saint-Esprit couvre le ciel de notre pays pour nous donner un jour meilleur, le jour d'espoir comme celui-ci. Ô nom puissant, glorieux et majestueux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui a tout donné et tout repris. Leurs Excellences, Président de la République de Congo, distingués invités, frères et sœurs, dans notre foi commune en Dieu, nous terminons ce culte par un passage biblique en Proverbe 10, 32 qui déclare « Le méchant est renversé par son malheur, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Ainsi, avec la justice rendue à l'homme du 30 juin 1960,
Le Congo peut-il maintenant se réconcilier avec son histoire afin que la bénédiction de Dieu se déverse sur les autorités de cette nation, sur tout le peuple congolais. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons M. Bruno Bukassa, un des pionniers de l'indépendance, à prendre la parole. Bruno Bukassa, il était dans la salle de congrès du Palais de la Nation le jour où le discours de Naïpa Tesu Lumumba a été prononcé. Il a pris de l'âge. Je viens de vous parler de celui qui est actuellement au micro. C'est M. Bruno Bukassa Mbambo Sebanzila. C'est l'homme qui a participé à la table ronde politique de Bruxelles pour obtenir l'indépendance de ce pays. C'est l'homme qui a remplacé Patrice Lumumba. Quand Lumumba a rencontré les difficultés, on faisait appel à celui-là. C'est qui? C'est moi, Bukassa Mbambo Sebanzila. On me faisait appel. Alors, je suis très heureux de remercier le président d'avoir une très bonne volonté de faire marcher un bon esprit à tous les enfants du pays pour la grande avenir qui est la meilleure. Je termine par dire vive la cérémonie, vive l'indépendance, vive le bonheur, et je souhaite la bonne chance, le bonheur à tout le monde, à tous les enfants de ce pays, à tous les Congolais. Encore une fois, merci. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a déposé la gerbe de fleurs. Voilà donc le président Denis Sassou Nguesso, le voisin de la République démocratique du Congo, s'avance donc pour déposer sa gerbe de fleurs devant la mémoire de cette illustre personnalité. Naïpa Tesu Lumumba avait dépassé la dimension nationale. Nous invitons la famille Lumumba a témoigné avant son excellence, Monsieur le Président de la République. Oh là là. Il va y avoir un témoignage avant, le témoignage de la famille Lumumba. Je vois ces petites, certainement petites filles, avancer pour ce témoignage. C'est dire que le président Denis Sassou Nguesso interviendra dans la suite de ce témoignage qui sera donc donné par visiblement par les petits-fils de Lumumba, un de ses petits-fils bien entendu. Excellences,
Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, j'ai nommé Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Excellence, Messieurs les représentants des chefs d'État. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le Président du Sénat. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Messieurs les ambassadeurs. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Distingués invités. Quel bonheur de se retrouver aujourd'hui, 30 juin, en cette date hautement symbolique. Conscient que la figure de Patrice Emery Lumumba dépasse largement le cadre familial, nous sommes reconnaissants de la main tendue par son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci d'avoir accompagné notre famille et à travers elle, la nation tout entière, sur le chemin de la guérison. Permettez-nous d'adresser également à l'égard du peuple congolais dans son ensemble nos remerciements infinis. En cet important moment, le peuple congolais a su démontrer que l'aura de Patrice Emery Lumumba a été, demeure et continuera d'incarner un esprit qui rassemble au-delà des groupes ethniques, un esprit qui rassemble au-delà des appartenances politiques. Nous en sommes témoins. Onalwa, Kisangani, Lubumbashi, Kinshasa, aujourd'hui. À travers ces quatre villes qui auront joué un rôle clé dans un destin mêlant gloire et tragédie, nous avons été en mesure de sentir ta grandeur, cher grand-père. Nous avons entendu la fierté exprimée du peuple du Sankuru. Nous avons entendu la nostalgie mélancolique du peuple de la Tshopo. Nous avons entendu les chants d'apaisement du peuple katangais. Aujourd'hui, nous entendons la voix du peuple quinois, un peuple qui réclame au nom de toute la communauté nationale la justice, la paix et le travail. Et permettez-moi ici de préciser que le vocabulaire utilisé n'est pas fortuit. Nous avons entendu, nous n'avons pas fait que vous écouter passivement. Cher grand-père, après avoir entendu, lu et exploré les récits de ta légende, nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis, à travers cette épique tournée, de redécouvrir ton épopée. Cette fois, nous te découvrons sous un jour nouveau, sous une lueur inédite. Nous te découvrons à travers les yeux de ton peuple. Cette expérience emplit nos cœurs d'humilité, de fierté et bien sûr d'inspiration. Une humilité qui devra nous contraindre à travailler plus dur, avec obstination. Une fierté d'appartenir à cette grande nation qu'est la République démocratique du Congo. Enfin, une inspiration que nous avons à cœur de mettre au service de ta mémoire. Ce parcours d'hommage que vient de décrire mon jeune frère s'achève donc aujourd'hui. En 1960, Patrice Emery Lumumba nous demandait dans son discours historique de faire du 30 juin, je cite, une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Fin de citation. Une lutte qui aura conduit à son lâche assassinat en compagnie de ses compagnons Joseph Okito et Maurice Polo dans les circonstances que nous connaissons désormais tous. 62 ans plus tard, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses amis, ses collègues et surtout ses chers compatriotes ont naturellement choisi cette même date du 30 juin pour cette cérémonie d'inhumation et ainsi rendre cette date sacrée à plus d'un titre. À ce stade, je souhaiterais respectueusement vous demander d'applaudir nos parents, représentés ici par Papa François, la très charismatique Maman Juliana
et Papa Roland, qui ont consacré l'ensemble de leur vie adulte à maintenir la voix de leur père sur tous les plans, malgré les nombreuses difficultés que cela leur a coûté. Chers parents, aujourd'hui est un deuil national, mais également une étape victorieuse de votre combat. Merci également à toutes les institutions et autorités qui se sont impliquées pour faire de ces 10 jours un moment historique. Me voici donc face à vous, parlant en toute humilité au nom de la troisième génération. Je souhaite profiter de cette opportunité unique pour justement vous parler de cette jeunesse congolaise, cette jeunesse africaine, cette nouvelle génération Lumumba. Plus que jamais concerné par ce moment historique, car Patrice Lumumba était un jeune qui parlait aux jeunes avant de mourir martyr à 36 ans à peine. Comme vous le savez, les grands-parents de cette génération, de notre génération, ont lutté pour l'indépendance du pays. Nos parents, eux, ont fait de leur possible pour nous transmettre une éducation et une histoire avec un grand H. Il est très important que le monde sache que notre génération d'Africains est extrêmement fière de son histoire. Cette génération a d'ailleurs étudié elle-même son histoire, même quand les ouvrages scolaires n'en prenaient pas la peine. L'autodidacte Patrice Lumumba appréciera. Cette génération ne nourrit pas de complexes et s'engage aux quatre coins du monde pour continuer de rééquilibrer les différents rapports de force avec le reste du monde et au sein même du pays. Je pense tout particulièrement aux associations culturelles et aux activistes qui prennent leur temps, finances et énergie pour hisser les couleurs du drapeau le plus haut possible. Patrice Lumumba est notre héros national, mais vous êtes les héros du quotidien. Cette génération s'émancipe et réussit au Congo et en Afrique. Cette génération trouve sa place à la NASA, parmi les champions NBA ou sur la scène musicale internationale. Cette génération célèbre ses prix Nobel. La génération Lumumba est composée de jeunes résilients qui sont déterminés à changer et maîtriser leur narratif. Dans cet esprit, beaucoup d'entre eux ont même créé leurs propres médias innovants, des web TV, des podcasts, des business clubs, des événements, des chaînes YouTube. Est-ce encore nécessaire de mentionner ici l'impact de la jeunesse congolaise dans l'ensemble du monde francophone et même au-delà? Je suis d'ailleurs sûr qu'en ce moment même, vous avez tous de nombreux exemples qui vous viennent fièrement à l'esprit. Ces talents permettent d'entretenir la flamme d'un rêve congolais possible pour tous les jeunes du pays, car c'est de ça qu'il s'agit. En étudiant le parcours du village de Naloa à chef du gouvernement, en passant par les nombreuses confrontations avec le colon de l'époque, nous retenons que tout est possible pour le Congolais. La génération Lumumba croit plus dans un rêve congolais et africain que dans le mythe du rêve occidental. Je me répète, il n'y a plus de place pour le complexe. Moi-même, entrepreneur, ayant la possibilité d'exercer sur plusieurs pays, je vis ce rêve africain chaque jour grâce à nos illustres aînés. Bien entendu, notre jeunesse n'est pas frappée d'un afro-optimiste inconscient. Elle ressent une douleur incommensurable quand la paix ne règne pas et une frustration face au niveau de justice sociale et économique totalement déséquilibré. Parler d'une génération ne consiste pas pour moi ici de parler d'individus, mais vous partagez une idée, tout simplement. Une idée selon laquelle fier d'être congolais ou fier d'être panafricain, comme on aime à le clamer, ne suffit pas. Nous devons être à la hauteur des enjeux auxquels nous faisons face. Le Congo est vaste, faisons donc preuve de grandeur. Le Congo a des sols riches, démontrons donc une richesse intérieure. Le Congo est beau, cultivons également une belle âme. Comme cela a été souhaité dans ton dernier courrier, cher grand-père, nous ne trahirons jamais le Congo, nous ne trahirons jamais l'Afrique. D'ailleurs, il serait peut-être temps que tu reçoives une réponse à ta dernière lettre adressée à ta famille. Aujourd'hui, je m'adresse à mon grand-père afin qu'enfin il reçoive une réponse à sa dernière lettre. Permettez-moi de vous lire cette réponse aujourd'hui. Cher grand-père, dans ta dernière lettre, tu as écrit à ta compagne chérie Bémo, sans savoir s'ils allaient lui parvenir et en te doutant que tu ne serais plus en vie lorsque finalement elle les a lus. À
vrai dire, ces mots, nous les avons tous lus, un peu comme si tu les avais écrits pour nous aussi. Tes compagnons et toi, vous êtes sacrifiés pour la cause sacrée de l'indépendance de votre pays. Et plus de 60 ans après, sache que votre lutte continue. Tu pensais que mort, vivant, libre ou en prison sur des ordres des colonialistes, ce n'était pas ta personne qui comptait. Laisse-moi te dire aujourd'hui que ta personne, ainsi que celle de tes compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, comptent bien plus que vous n'auriez pu l'imaginer. Vos histoires, vos destins croisés et votre sacrifice pour notre indépendance sont le testament de votre foi inébranlable envers votre pays, un exemple de votre détermination et de votre engagement infaillible pour notre liberté à tous. Tu savais que le Congo n'était pas seul, et que les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se trouveront toujours à nos côtés. Mais savais-tu aussi que ton nom continue d'être chanté sur tous les continents, que de jeunes élèves étudient dans des académies nommées après toi? Savais-tu que ton deuil serait aussi international? Cher grand-père, mamie Pauline s'est battue pour que ta mémoire perdure et s'est assurée de dire à tes enfants que l'avenir du Congo est beau. Qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Eux-mêmes sont à la tâche de dire à leurs enfants et leurs petits-enfants que la reconstruction de notre indépendance est le travail de tout Congolais, et à nous apprendre que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Ils nous apprennent qu'il n'y a pas de dignité, que sans dignité il n'y a pas de liberté, sans justice il n'y a pas de dignité, et sans indépendance il n'y a pas d'homme libre. Tu es mort la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de ton pays. Plus de 60 ans après, je te réponds enfin pour te dire que ton retour à la maison, les honneurs que tu reçois ici, sont une page de l'histoire que tu continues d'écrire. Nous ne faisons que tenir la plume et nous laisser inspirer par ton aura. Avec toi, aujourd'hui, l'Afrique est en train d'écrire sa propre histoire, du nord au sud, et je te promets que c'est une histoire de gloire et de dignité. Ta compagne t'a tant pleuré, tes petits-enfants et ta nation te pleurent encore. Mais les larmes sont des armes pour continuer de défendre notre indépendance et notre liberté. Je suis sûre qu'en te retrouvant, ta campagne t'en dira plus. Je ne sais comment signer une lettre à quelqu'un qui n'est plus là et que je n'ai jamais connu. Alors permets-moi, grand-père, de signer cette lettre à un héros national revenu au pays. Vive l'Afrique, vive le Congo, vive Bolo, vive Okito, vive Lumumba. Élaboré et surtout bien organisé dans la suite de trois adresses des petits-fils Lumumba. Très respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Monsieur Denis Sassou Nguesso, a déposé la couronne de fleurs. Et voilà donc le président Denis Sassou Nguesso va devoir à présent déposer sa couronne de fleurs en mémoire d'Emery Patrice Lumumba. Donc c'est après et les interventions de ces petits-fils Lumumba qui ont prononcé un discours. On considérera toutes ces trois adresses comme un seul discours écrit dans une certaine logique interpellateur, mobilisateur, mais aussi honorant la mémoire de Emery Patrice Lumumba, pas seulement responsabilisant la jeunesse d'aujourd'hui. C'est donc bien pensé. Et le programme qui prévoit à présent le dépôt de cette couronne de fleurs du président Denis Sassou Nguesso devant la dépouille relique de Emery Patrice Lumumba. Il le fallait bien, cette personnalité illustre avait bien besoin de ceci pour que l'histoire soit totalement
complète. La République tout entière s'incline à travers le monde, on suit à travers les provinces de la République, on suit ce qui se passe ici à l'échangeur délimité et le président Denis Sassou Nguesso qui s'est donc incliné devant la mémoire de Mary Patrice Lumumba. Le culte écuménique a été une occasion pour Monseigneur Djomo, évêque émérite de Tchoumbé et président honoraire de la SENCO, d'adresser une prière à l'occasion de ses hommages à Emery Patrice Lumumba. À présent, très respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à prendre la parole. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo. Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique. Chère famille Lumumba. Distingués invités, mes très chers compatriotes, après 61 longues années, Patrice Emery Lumumba, héros national, combattant de la liberté, défenseur de l'unité nationale, est de retour chez lui, parmi nous. Enfin, le peuple congolais peut se faire l'honneur d'offrir une sépulture à son illustre Premier ministre qui n'en avait jamais eu. Ceci, non seulement au mépris de la tradition congolaise qui exige que soient organisées funérailles et deuils rituels pour assurer le passage du défunt dans l'au-delà, mais également de cette croyance qui stipule qu'une âme sans sépulture soit condamnée à une errance sans fin. Ce jour mémorable se veut donc l'épilogue de la très longue démarche du retour de ce père de notre indépendance. Il nous donne enfin l'occasion, en tant que peuple, d'accomplir le devoir que nous prescrivent les traditions millénaires légué par nos ancêtres, et de lever ainsi, en compagnie de la famille Lumumba, ce deuil entamé il y a 61 ans. Ce deuil que nous levons aujourd'hui interpelle la conscience congolaise à saisir le sens de son histoire, à se réconcilier avec elle, afin que celle-ci habite le Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs, chère famille Lumumba, mes très chers compatriotes, je souhaiterais saisir cette circonstance particulière pour rendre hommage à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté qui ont rendu possible la matérialisation de ce moment historique. Ma pensée va d'abord, et tout à fait naturellement, à la famille biologique de notre héros national. Par-delà les épreuves d'une disparition cruelle, cette famille a connu et traversé une longue période d'une insupportable absence sans jamais se départir de sa dignité. En cela, elle a démontré à la face du monde sa pleine adhésion, sa pleine communion avec Patrice Emery Lumumba. À la famille ici présente, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
je réitère la reconnaissance de la nation tout entière, fière de s'associer à l'héritage politique et spirituel légué par leur illustre aïeul. Je voudrais également remercier le peuple belge et ses autorités, particulièrement le roi Philippe et le Premier ministre Alexander De Croo, non seulement pour la part déterminante prise par la Belgique à travers notamment ses universitaires, ses parlementaires et ses leaders d'opinion, mais surtout pour avoir contribué au rétablissement de la vérité sur ce triple assassinat. Après des années de déni, l'histoire tragique du martyr de Lumumba et de ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui viennent d'être admis depuis le 9 juin dernier dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, est enfin mieux connu. En effet, c'est seulement après avoir dit la vérité, après avoir établi les responsabilités des uns et des autres, que nous pourrons ensemble, Congolais et Belges, entamer l'étape déterminante du pardon, de la justice et de la réconciliation véritable et définitive. Enfin, ma reconnaissance s'adresse aussi tout particulièrement à vous tous qui formez l'ensemble des peuples du Congo et d'Afrique, car vous avez fait preuve de patience, de maturité, de retenue et de solidarité. Excellences, Mesdames et Messieurs, chère famille Lumumba, mes très chers compatriotes, la présente cérémonie de déposer la dépouille de notre héros national dans ce reposoir que je préside aujourd'hui n'a rien d'un banal rituel funéraire. Devenant le sanctuaire de notre mémoire collective, le présent mémorial Patrice Emery Lumumba est d'abord le lieu d'affirmation de notre foi en notre propre capacité à construire par nous-mêmes notre grande nation. Cette reconnaissance du Congo, notre héros national l'avait lui-même prédite, je le cite, « Je sais et je sens du fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au colonialisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. » Fin de citation. En ce jeudi 30 juin 2022, coïncidence heureuse, au jeudi 30 juin 1960, mobilisons-nous pour faire de ce mémorial le lieu du renouvellement de notre engagement individuel et collectif. L'engagement à parachever le noble combat qu'il avait entamé. L'engagement à garder et protéger les valeurs pour lesquelles il a donné sa vie. La cérémonie de ce jour ne peut donc revêtir tout son sens et tout son éclat que si elle donne l'occasion à chaque Congolais, à chaque Congolaise, de se laisser interpeller par les dernières paroles de Lumumba à ses enfants. Je cite, « À mes enfants, que je laisse et que peut-être je ne reverrai jamais. Je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. » Fin de citation. Dans cette optique, je nous invite, chers compatriotes, à faire de ce mémorial Patrice Emery Lumumba un lieu de recueillement susceptible de raviver l'idéal patriotique et républicain, sublimé par les gestes ainsi que les paroles de notre héros national. Ayez à cœur d'honorer
ce mausolée, autant que vous le pouvez, soit par vos visites et vos recueillements, soit à distance, dans la réverbération, de vos souvenirs, afin que la flamme de l'amour du Congo qui brille ici reste toujours vive et qu'elle ne s'éteigne jamais. Monsieur le Premier ministre, héros national, chef du tout premier gouvernement du Congo indépendant, c'est un immense privilège pour moi de m'adresser à vous au nom de tous les Congolais pour vous souhaiter la bienvenue chez vous, dans votre capitale, après la tournée que vous venez d'effectuer dans votre Congo profond. Cher héros national, c'était dans la nuit du 27 novembre 1960 que vous aviez quitté Kinshasa, alors Léopoldville, dans l'anonymat le plus total. Vous voilà de retour, 61 ans après, sous le doux soleil du 30 juin, jour sacré de notre libération du joug colonial. Une date illustre que vous nous aviez demandé déjà en 1960 de garder ineffaçablement gravée dans nos cœurs. Une date dont nous enseignerons avec fierté la signification à nos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Monsieur le Premier ministre, votre action politique était loin d'être une révolution, car vos convictions morales vous interdisaient de recourir à la violence. Votre résolution, vous y aviez tenu jusqu'à mort, à votre mort, d'être un non-violent, était non seulement un principe ou un trait de caractère, mais plutôt une plus forte conviction morale de la capacité d'user de la parole pour donner le pouvoir de lancer des hommes, les mains nues, contre des mitraillettes. Par cette conviction de non-violence, vous aviez capté la révolution au passage, vous l'aviez marquée de votre sceau et vous l'aviez orientée. Par vos lectures et votre éducation chrétienne, vous aviez forgé progressivement une image de l'homme encore abstraite mais dégagée du racisme. Vous étiez capable d'expliquer la situation du Congo par des références à la Révolution française ou à la lutte des Hollandais contre les Espagnols. Et bien entendu, il y avait dans ces allusions quelque chose comme un questionnement ontologique. Comment pourriez-vous, vous les Blancs, empêcher les Noirs de faire ce que vous aviez fait? Cher Patrice, vous êtes né au Congo belge, homme du peuple, homme simple, marié et père de famille. À l'instar de la plupart des membres de la classe sociale dite les évolués à laquelle vous apparteniez, vous aviez été forgé dans les écoles coloniales et les missions catholiques qui avaient pour objectif de former les autochtones à la soumission à l'ordre colonial. Mais hélas, même étant forgé et modelé par ces instances d'endoctrinement colonial, votre esprit n'était pas prédisposé à devenir blanc, encore moins belge. Votre rencontre avec Kwame Nkrumah à la conférence du rassemblement des peuples africains tenue à Accra au Ghana avait bouleversé votre vision politique et du monde. À votre retour d'Accra, lors de votre premier meeting à Kalamu, à Kinshasa, vous aviez déclaré, je cite, « L'Afrique est irrésistiblement engagée pour sa lutte sans merci contre le colonialisme et l'impérialisme », fin de citation. Vous aviez intégré votre combat pour la liberté et l'indépendance
dans une perspective de lutte globale pour toute l'Afrique. Vous aviez déclenché la lutte africaine sans merci en vue d'arracher l'indépendance, la souveraineté et la liberté. Votre mémoire est aujourd'hui inéluctablement associée au refus rigoureux de la solution néocolonialiste. Votre solidarité avec les masses populaires poussées à la périphérie sociale des États africains a internationaliser votre lutte contre l'impérialisme, intégrant ainsi au mouvement un maximum de peuples et de régions. Plus de 60 ans après l'indépendance, vous demeurez, Monsieur le Premier ministre, une figure inspirante à l'échelle internationale. Ceci traduit le défi national et mémoriel autour de la construction de notre identité nationale. Ainsi, en raison de votre audace avec laquelle vous aviez véhiculé des idées anticolonialistes, vous êtes pour nous, nationalistes congolais, et pour les peuples progressistes disséminés ailleurs dans le monde, le symbole de la lutte pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté des peuples. Bien plus, vous représentez ce flambeau qui ravive nos élans pour continuer la lutte noble pour la pour plus de liberté, de démocratie et de développement. Le contexte dans lequel vous et vos contemporains aviez vécu est peu différent du nôtre, en ceci que les inégalités et les rapports asymétriques entre les peuples, l'injustice rétributive ainsi que le fossé grandissant entre les riches et les pauvres demeurent d'actualité. Sous ce registre, vous êtes aussi une source d'inspiration et une motivation pour les combats futurs. Vous nous avez prouvé qu'on peut avoir foi en l'homme qui, imprégné des valeurs de justice et de liberté, est en mesure de se forger les armes pour la conquête de l'avenir qui lui convient. C'est possible. L'égalité entre les citoyens, les droits fondamentaux de la personne humaine, la justice sociale et la liberté étaient le leitmotiv de votre combat. Profond respect. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Congo indépendant, notre héros national, désormais reposé en paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, chère famille Lumumba, mes très chers compatriotes, Patrice Emery Lumumba conservait l'espérance de souder tous les Congolais, d'où qu'ils venaient, dans un parti supra-ethnique. Ce parti, Lumumba seul était qualifié pour le fonder. Ce sera le Mouvement National Congolais, MNC en sigle, un parti universaliste, par-delà les ethnies et les frontières. En un mot, c'était le mouvement des évolués. On lui trouvait des militants un peu partout et sans trop de peine, surtout dans les villes, car Patrice Emery Lumumba ne voyait pas le conditionnement social. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chère famille Lumumba, distingués invités, mes très chers compatriotes, Patrice Emery Lumumba a été un humaniste irréductible, et son intransigeance le conduisit au sacrifice suprême, une espèce de suicide. Son engagement a été exceptionnellement notable, un engagement pour le changement de l'ordre colonial établi. Aujourd'hui, le peuple congolais est à même de comprendre comment et pourquoi il a vaillamment affronté l'oppression de l'époque sans crainte ni tremblement. Nous comprenons avec quelle obstination
il ne cessait d'éveiller ses compatriotes, de les inciter à la conscience historique, au nationalisme et à l'humanisme. Bref, à une lutte noble. Je conclus cette oraison funèbre en l'honneur du premier ministre congolais, en empruntant des propos à Nelson Mandela qui déclara, je cite, « Je ne suis pas né avec une fin, FAIM, de liberté libre de toutes les façons que je ne pouvais connaître. Mais alors, j'ai lentement découvert que non seulement je n'étais pas libre, mais que mes frères et mes sœurs ne l'étaient pas non plus. J'ai vu qu'il y avait aussi celle de tous ceux qui me ressemblaient. C'est alors que j'ai rejoint le Congrès national africain et c'est alors que ma fin, FAIM, de liberté personnelle est devenue fin FAIM de liberté de mon peuple. Tels seraient peut-être aujourd'hui les propos de Lumumba pour expliquer sa lutte. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Je vous remercie. L'oraison funèbre est pendue par le président de la République. Je crois que lentement mais sûrement, nous avons... La fin du parcours d'Emery Patrice Lumumba. À présent, cette inhumation se fera dans l'intimité familiale. Il vient de dire le protocole. Seuls les deux chefs d'État vont participer à cette inhumation. La République démocratique du Congo tout entière est mobilisée. Aujourd'hui est un jour férié à travers l'ensemble du pays. On suit cette cérémonie particulière alors que tous les 30 juin, c'est généralement, s'il n'y a pas de circonstances qui l'empêchent, un défilé qui est organisé sur le boulevard Triomphal. Aujourd'hui, c'est Emery Patrice Lumumba, un des artisans principaux de cette indépendance qui va être inhumé. C'est donc historique et le 30 juin devient beaucoup plus significatif et à juste titre d'ailleurs. L'un des artisans principaux de cette indépendance se fait donc inhumer un certain 30 juin. Voilà donc mesdames et messieurs, la République tout entière, je disais qu'elle est mobilisée pour suivre la radio-télévision nationale congolaise pour être informée dans les détails
sur le déroulé de cette cérémonie à Tchikapa. Franklin Kalumbo nous dit que le peuple est mobilisé aussi pour suivre cette... Voilà donc, pendant qu'on est en train de lever le corps d'Emery Patrice Lumumba pour l'inhumation, l'assistance s'élève et donc la garde d'honneur va acheminer ce corps dans la dernière demeure, bien entendu. Ce sera sous la fanfare de la garde républicaine dans une... atmosphère de tristesse, bien entendu. C'est en africain que cela se passe. La famille va tout naturellement accompagner cette marche. Le président de la République démocratique du Congo et son collègue du Congo, Brazzaville, qui a fait le déplacement ici pour que lui aussi et le Congo voisin rendre hommage à Emery Patrice Lumumba. Je vous disais tantôt que partout en République démocratique du Congo, on suit cet événement en direct de la radio-télévision nationale congolaise. Je vous disais aussi qu'à Tchikapa, Franklin Kalumbo nous dit que le peuple est mobilisé pour suivre cet événement, ainsi qu'André Mouchongo, qui lui aussi, avec la population de Tchikapa, est en train de suivre cette cérémonie à Lubumbashi. Je vous ai dit que l'honorable Aziza Mounana a réuni quelques veuves pour suivre en direct cette cérémonie elle-même, qui est très engagée, qui a eu à rencontrer plusieurs fois Juliana Lumumba pour parler de cette tragédie, mais aussi l'encourager pour continuer à travailler autant que faire se peut pour le pays de Lumumba, ainsi répondre efficacement à la demande d'Emery Patrice Lumumba lui-même. Dans son dernier discours, il a donc, disons, je parle du discours du 30 juin, au cours de ce discours-là, il invitait le peuple congolais à se mobiliser, à travailler ensemble pour le bien-être de ce pays. Kweli kina mwanzo kina mwisho, tunafika kabisa mwisho wa sherehe ya leo kwa kuona kwamba mwili wa marehemu mshujaa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Emery Patrice Lumumba, wanaielekeza sasa mahali ambako ataweza kulazwa huko upande wa mozole. Kweli munaona gisi majeshi wenye kubeba sanduku ya marehemu, marais wote wawili, pia viongozi mbalimbali wako nyuma ya sanduku, familia ya marehemu wako nyuma ya sanduku wakishindikiza sanduku ya marehemu mahali ambako ataweza kulazwa kwa kuweza kupewa heshima ya mwisho. Tangu aliweza kufariki miaka 61 kisha, leo Lumumba anapewa mazishi yenye kustahili na ranga yake, kwani ni msuja mwenye aliweza kupigania nchi yake kwa kutafuta uhuru wa nchi yake. Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi ametoka kutoa masemi yenye inaingia kabisa ndani ya mioyo ya wakongomani. Pia tuliweza kuona rais wa Congo Brazzaville bwana Denis Sassou Nguesso mwenye aliweza kutia taji lake la ua. Viongozi mbalimbali waliweza kuwa mahali hii ya Echangeur kwa kuweza kuhudhuria kabisa katika sherehe hiyo kubwa yenye kuambatana kabisa, kwani ilikuwa siku ya 4 tarehe 13 Juni mwaka 1916, leo siku ya 4 tarehe 13 Juni mwaka 2022, miaka 62
tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kupata uhuru wake. Basi ni siku moja muhimu kabisa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwili wa Lumumba unazikwa leo katika udongo wake wa mababu. Ni jambo kubwa kabisa kwa kuona miaka 61 kisha kuuawa kwake hakuwa na kaburi, leo anapata kaburi, anapewa mazishi yenye kustahili. Ni Mungu mwenyewe ndiye aliweza kutaka iweze kutendekwa jinsi inatendekwa kwa siku ya leo. Sio binadamu ndiye aliweza kupenda iweze kutendekwa hivyo, lakini ni Mwenyezi Mungu tu ndiye aliweza kupenda iweze kutendekwa kwa namna hiyo. Wakuu wa miungano ya madini, wa Kimbangiste, wa Protestanti, wa Islamu, makanisa ya kuamka, Katolike, wote waliweza kuwa kitako katika sherehe kubwa ya leo. Basi mliweza kuyafuata kwa makini kabisa kwenye mitambo ya RTNC. Hapo tunaona ni watoto wa marehemu, mayatima, pia wajuguu, wote wako nyuma ya sanduku. Ni makiwa kabisa, hata imepita miaka mingi, lakini uchungu uko ndani ya roho. Uchungu uko ndani ya roho. Bwana Shao Kitundu, kweli wote wako nyuma ya sanduku. Tuleza kuona hata mawaziri wakuu wengine wa zamani nao vile vile waliweza kupatikana katika sherehe hiyo kubwa. Mawaziri wakuu wa zamani sawa vile bwana Leon Kengo wa Dondo aliweza kuwa vile vile huko upande wa Palais de la Nation jana. Bwana Mabi Mulumba, Sami Badibangatita, Bruno Chibala, wote waliweza kuwa katika sherehe hiyo kwa kuweza kutoa heshima ya mwisho kwa waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, Emery Patrice et Lumumba. Mliweza kufuata vile vile masemi ya bwana Buka Sambangu, huyo mwenye naye vile vile aliweza kuhudhuria katika mkutano huo wa table ronde ya Bruxelles pamoja na Emery Patrice et Lumumba. Aliweza kabisa kumshukuru rais wa jamhuri kwa kuweza kumtambua, kuweza kumtafuta ili afike naye vile vile kwa kuweza kuhudhuria katika sherehe hiyo ya mazishi ya bwana Emery Patrice Lumumba, miaka 61 kisha tangu waliweza kuuawa kwa namna ya kiolela, namna moja yenye haistahili kabisa kwa binadamu upande wa wa Katanga, huko sehemu za Lubumbashi, kwa kilometra 56 na mji wa Lubumbashi, kwenye aliweza kuuawa pamoja na wenzie bwana Okito pamoja na Polo. Basi kisha kuwapiga silaha waliweza kuwachinja kabisa na kuweza kuwatia ndani ya aside. Hawakuwa kabisa na kaburi, lakini leo Emery Patrice Lumumba anapewa mazishi yenye kustahili kabisa kutokana na kiungo chake cha mwili kenye kiliweza kubaki huko upande wa Belgiji, na wabeleji waliweza kujiamua kabisa kuweza kurudisha kipande hicho kiungo cha mwili, na leo kinakuja kuzikwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili aweze kupewa heshima yenye kustahili, aweze kuzikwa na wakongomani. Ni jambo kubwa kabisa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia Afrika nzima, kwa kuona kwamba ni kitendo chenye watu wengi hawakuwa na wazia ya kwamba inaweza kufanyika kwa namna hiyo, lakini leo imefanyika. Bibi Wivin Diata matundu mingi beto banda kambote beto zuna suki sambote vampange luzulu ya umekuma ntangu ya kwenda kubigisa nzutu na yandi ya mkuma luyelu ya ntama kansi bonso na kingenga bantu mingi ven ndambu kaka ya dibuta fumu ya insi bafume insi bakele zole ba unosu mekwenda pano ba uzole mekwenda na kubikisa samu na kumonisa na benoti ya teleka na monima ya Lumumba na nkizi ya Lumumba bubu ya eme kusa monisa mpina mosi ya bafu ndaka na eni na masolo ya table ronde na Bruxelles ya munisaka ti basululaka na kunwaina penza mambote ya bana ya insi ani munisaka luse na yandi na kuzabisa mpasi
pe na kunwani na mambote ya bana isim mukinkinzi ya bubu ya mfumu ya isim mikusa tubila penza na kuzodila mfumu ya isim kuvutuka ya mbote na ntoto na yandi pe na kuzodila ndi pema na ngemba pamba ve kubanda lungu ya wakumi zoni na nsamboda ngonda mkumi na mwesi ya mbole kuna mwesi ya mbole sambanu anime kutuka kaza mikusa kutuka bubu ya anime kusa kutuka kaka na ngonda ya imi ya telekami mkinzi ya bubu mekusa mwonisa bantu mingi ya mwononaka awa bonso Laurent Batumona pe jano kundi mwosi ya MC bako nani mwonitaka lusa na baompe na mkinzi ya lumba bubu ya imi kinzi yango kivanda ya kusepela bana isi na kumona mwosi ya noninaka mambote ya bana isi nani ina emiri Patrice Lumumba ya ime bikala bubu ya ina monima na yandi awa na na ici ka étranger nous autres ici étranger na commune ya limité ya ya betonyon son somme na kibe bantu ya kaka pe banzinza ya zona kusa tala losa disu na kumunita penza kuyindula mosi ya noina ka mambote ya Afrika pe na kunwena Afrika ya vimba na kokatuka na kimpika ya undi mekusa munisa penza kinzi ya bana ya Afrika na kukatuka maboko ya kipika bubu ya bitume kusayindula penza moyo na kumona ndamu ya nzutu ya Emery Patrice Lumumba na lumbu ya bubu ya ibampange lusulu mambu nusulu nusulu sila mtini mwisi ya kufanakana pe ya mbote nyonso ya banfumu ya insi ya nkaka mebo ya kusamunisa luse na bau na bantu ya nkaka pe na kutendula penza na mfumu ya insi kukwisa ya mbote ya mfumu ya insi ya mfumu ya luyalu et Patrice Patrice nous la tuba et Emery Lumumba ya noina kapenza mambote ya bana Afrika yo sukaka kongove ya Afrika kintoli na bapangi ya kaka mepesa ndinga na Charlotte Kabanga na kusa tendula beno nyonso biskani sebe bakama na kulanda beto beto zo la beno son 15 ya mbote natonjo botondi wivini jata Patrice Emery Lumumba sika ye akokudama na ndenge ya libota na sima kooka maloba mamokambi kolo Félix Antoine Tseke Chilombo mama Chantal Maozo Patrice Emery Lumumba sima ya mbula tuku motoba na mibale azongi omabele mabankoko mokambi kolo alobiete akendaka le 27 novembre azongi sika zokudama na bela bakoko pona yo Patrice Emery Lumumba Asalinani. Merci. Ponanga Patrice Emery Lumumba Azali héros national. Vraiment to mokolo ya lelo le 30 juin 2022 to komisi mokonzi nzambe na biso parce que a permettre biso komona mokolo ya lelo oyo mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Azali ko honoré héros national na biso Emery Patrice Lumumba na elongo na famille na ye mobimba elongo na peuple congolaise mobimba vraiment tomoni kezali ngolu monene ko uta epa ya mokonzi nzambe na biso parce que oyo azali mutu munene azali munene po na mboka na biso premier ministre na biso oyo azongi na kati ya mboka na biso vraiment mokolo ya lelo tokoki kobosa na yangote tokoki kobosa na te président na biso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo na gouvernement na ye bawo ba penser penza ko honoré mutu monene lokola héros national na biso Patrice Emery Lumumba vraiment to sepeli pona mokolo ya lelo tokanisi changement ezali ko kende na mboka na biso muke muke lokola biso tozali ko kola kisa batu bolingo ya mboka na biso bolingo ya bandeko biso fondation fonda pro amour pour mon pays pour les prochains vraiment pona biso mokolo ya lelo to sepeli makasi ya ngonde omoni batu ya fonda pro e bele bazali representer suffisamment pona ko sepela penza mokolo ya lelo ko sepela penza pe na gouvernement na biso na président de la république merci Natonyo Botondi, Patrice Emery Lumumba, Elembo Monene, Poya Congo, Afrique, Pe, Molongo Mobimba. Ouais, mesdames et messieurs, l'inhumation, on vous l'a dit, ça se passerait en intimité familiale. C'est donc ce qui est en train d'être fait en ce moment.
nous ne saurons pas vous diffuser ces images-là. En attendant, nous sommes sur les sites avec certains lumumbistes qui interviennent et disent comment ils conçoivent ce long parcours de Mary Patrice Lumumba. C'est en fait une épilogue de ce long parcours qui a commencé en 1961 avec la disparition de Mary Patrice Lumumba, une disparition.